Bonsoir, tout peuple Martinique. L'honneur, respect. Ancêtres, pas qu'à mort. Et parce que nous sommes généreux et que nous saluons tout le monde, salutations aussi aux RG qui me suivent partout dans le monde. Et quand nous disons salutations à tous les RG, je n'ai pas besoin de vous préciser qu'ils sont de toutes les couleurs. Et quelque part, nous devons les remercier parce qu'ils sont in fine mes meilleurs agents de sécurité. Les médias du système colonial aiment me qualifier d'extrémiste. Et le hasard de l'histoire fait que c'est à l'extrémité de l'horaire de ce soir que je peux parler. Et comme le disait une figure qui m'a profondément inspiré, je ne vais pas vous parler de Desmond Tutu, mais de Tupac Amaru Shakur. C'est parfois dans ce qui paraît hors ligne, hors système, que se trouvent les choses les plus profondes. Et c'est ce que nous allons prouver ce soir. Il n'y aurait pas eu de meeting sans ce frère qui a parlé avec son cœur, pour certains qui est peut-être allé dans 10 000 directions, mais l'amour est multidirectionnel de manière générale, et donc je vous demande d'applaudir fortement le frère Terence, s'il vous plaît. Ce dernier m'avait demandé de venir et de faire ce meeting seul, comme je le fais aux quatre coins du monde. Et je lui ai dit que nous sommes à un stade où faire des meetings seuls n'a plus trop d'intérêt en ce qui me concerne. Et je pense qu'il faut se servir des tribunes pour donner la parole au plus de monde possible. Et donc, j'ai contacté toutes les personnes qui sont proches de mon entourage, qui sont proches de mon cœur, les frères et sœurs de Trop Violence, que je vous demande d'applaudir fortement, s'il vous plaît. Ma famille. Le frère que j'aime profondément, et il le sait, l'un des meilleurs avocats qu'il m'ait été donné l'occasion de rencontrer. Le frère, maître, avocat, Germanie, s'il vous plaît. Qui a fait le processus de reprendre son identité africaine, et donc je l'appelle avec son nom honorable, Damileko Germanie. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Une sœur qui m'a donné les larmes ce soir parce que je l'ai connue lorsqu'elle était beaucoup plus jeune à Paris, lorsqu'elle était venue assister à un de nos meetings. Et la voir être devenue cette étoile qu'elle est à l'heure actuelle. Et je dis bien étoile, parce que quand l'homme parle, il y a l'énergie. Mais quand la femme noire parle, il y a la magie. Et je vous demande de l'applaudir, Jay Hassan. Et je tiens à m'arrêter sur son cas, parce que son intervention est le symbole de ce qui va se passer dans le futur. À chaque fois que notre peuple se lève, en première ligne, on a l'impression que ce sont les hommes. Les hommes se font souvent diaboliser, sont qualifiés de tous les noms, sont stigmatisés, sont brutalisés. Parce que le système colonial a tout fait pour que l'homme noir, clair ou foncé, soit émasculé.
Mais quand la femme noire se lève, le système colonial commence à bégayer. Parce qu'on ne peut pas lancer, comme ils le font sur les hommes noirs, les mêmes attaques qu'ils font sur la femme noire. La femme noire, elle bouge, elle est magie. La femme noire, elle bouge, elle est alchimie. La femme noire, elle bouge, on l'appelle potomitan, ce n'est pas le potomitan de la maison, c'est le potomitan du peuple, parce qu'elle tient notre peuple de manière générale. Une fois ceci exprimé, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'avoir une pensée profonde pour l'une des plus grandes résistantes. J'ai même envie de dire l'un des plus grands résistants, parce qu'on arrive à un stade où le genre n'a même plus d'importance. Je ne vois pas une femme ou un homme, je vois un combattant, une entité qui combat. Cette entité, c'est Anicia Berton, et je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Anicia, là où tu es en ce moment, sur ce lit d'hôpital, dans les épreuves dramatiques que tu traverses, je veux que tu saches que chacun de nos mouvements, chacune de nos respirations, chacune de nos invocations te sont tournées, parce que l'amour que tu donnes au peuple est illimité et l'amour que nous te rendons est illimité aussi. Tu es une combattante sur le terrain, sur le lit d'hôpital, et quel que soit le destin que le Tout-Puissant, que le Seigneur des mondes a décidé de t'accorder, sache-le, tout le temps, à chaque instant, nous continuerons aux quatre coins du monde l'œuvre qui est la tienne, parce que ce n'est pas une œuvre de Martinique, c'est l'œuvre du peuple originel qui a décidé de ne plus être un paillasson et de se lever contre le système colonial. Je tiens à rendre hommage aussi à un homme que je suis depuis que j'ai 18 ans, qui me trouvait très radical au départ, mais je le suis toujours. Ils finiront par le comprendre. Un homme qui est un anticolonialiste de la première heure, un homme qui a dédié sa vie pour que nos peuples puissent être debout. Cet homme exceptionnel, un guide, un modèle, quelqu'un qui ne fait pas partie de ces anciens qui, lorsqu'ils arrivent au stade d'anciens, décident de mépriser la jeunesse, mais portent la jeunesse sur leurs épaules, sur ses épaules. Un ancien qui, à l'époque où l'Afrique n'était pas à la mode, parce que le système colonial avait tout fait pour présenter l'Afrique comme une terre de traîtres, comme une terre de vendus, comme une terre sauvage, eh bien lui prônait l'amour de l'Afrique. Cet homme, c'est Garcin Malsain. Et je vous demande de vous lever et de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci de porter la jeunesse. Mais rentrons dans le vif du sujet. Mon allocution ce soir s'intitule « Les pires ennemis de notre peuple ». Quand j'évoque ce titre, je vois certains qui sont déjà en train de faire une crise cardiaque, qui se disent qu'Emmy va encore attaquer les Blancs, comme le répète BFM, comme le répète RFI, comme le répète France 24. Généralement, ceux qui répètent ça, quand vous leur demandez des éléments, ils sont en train de bégayer parce qu'ils ne font que répéter. Ce n'est pas le téléphone arabe, c'est le téléphone nègre, quelque part.
On aime répéter ce que le système colonial a répété. Mais ce soir, les pires ennemis dont je vais parler ne sont pas ceux auxquels vous vous attendez. Et je vous demande à chacun, s'il vous plaît, de vous accrocher. Je vais parler d'un ennemi qui est présent parmi notre peuple depuis très longtemps. Dire qu'il a été présent dès lors que le système ou l'esclavagiste occidental ou le colon occidental est venu serait un mensonge, serait une malhonnêteté. C'est toujours facile de dire que le problème c'est l'autre. Cet ennemi, il se prénomme la calomnie. Un beau prénom, n'est-ce pas? Un prénom qui fait que lorsque certaines personnes avancent dans la communauté, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le sport, dans le domaine public de manière générale, dans l'économie, dans le droit, les premiers qui vont les attaquer, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas toujours le système colonial, ce sont leurs propres frères et sœurs. Et il faut qu'on soit capable de le dire ce soir. Je tiens à préciser, pour être très clair, je vais aux quatre coins du monde, j'entends que nous sommes controversés, mais ceux qui nous accusent d'être controversés réunissent systématiquement moins que nous partout où nous allons. Et donc je ne suis pas venu chercher des applaudissements ce soir. Je ne suis pas venu non plus caresser les gens dans le sens du poil. Parce que on dit une chose, quand on aime quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Que cette vérité soit plaisante ou désagréable. La calomnie, c'est ce qui fait par exemple que lorsqu'un un frère qui il y a 3 semaines était en prison parce qu'il dénonce le système de la France-Afrique et qu'il est soutenu par une grande partie de la jeunesse africaine. Et il y a 2 semaines, ce frère était interdit de rentrer au Mali, là où l'attendaient des milliers de sympathisants, parce que le gouvernement malien, sur ordre du président français, a décidé de l'interdire en disant qu'il est trop dangereux pour les intérêts de la France. Eh bien, cet ennemi nommé calomnie fait que quand ce frère décide d'aller en Martinique, certains vont inventer des malhonnêtes, des hypocrites, des lâches, que Kémi Séba a tenu des propos contre les, entre guillemets, entiers. Et quand on leur demande de prouver une seule fois, que j'aurais tenu des propos contre les Antillais, ces derniers vous parlent chinois. Chinois parce que ces derniers... Et encore, j'insulte la Chine en disant ça, pardon, ils ont assez de problèmes avec le virus. Mais ces gens-là bégayent, parce qu'ils savent qu'ils mentent. Mais ce qui leur pose problème, c'est de voir quelqu'un capable de réunir aux quatre coins du monde une jeunesse africaine, afro-diasporique, et pas seulement, des gens de toutes couleurs, de toute obédience et de toute religion, qui en ont marre du néocolonialisme, qui peut être appelé aussi autrement le néolibéralisme globalisé. Et il faut qu'on le dise. Eh bien, cet ennemi nommé calomnie, on n'a pas besoin d'aller le chercher loin, on le cherche parmi notre peuple. Ces gens-là vont vous inventer que Kémi Séba a traité les Antillais. Un crime. Quand on sait que mon numéro 2 depuis 20 ans, ou mon numéro 3 puisqu'il y a Eric, se nomme Olivier Servat, non pas le député, ne faisons pas de digression, mais son homonyme, connu dans les rues parisiennes sous le nom de Rahim, R-A accent circonflexe, en l'honneur de l'autorité suprême en Akhémet antique, et Im qui signifie lui. Rahim, Olivier Servat, Guadeloupéen. Jocelyn Houdin, Guadeloupéen, militant avec nous de la première heure. Dois-je tous les citer? Dois-je citer que Stelio Capochichi, lorsqu'il avait 16 ans, 17 ans, et qu'il commençait à traîner dehors, ceux, les premiers noirs avec lesquels il a arpenté le bitume, ses premiers amours, c'était des sœurs, quand je dis amour, bien évidemment des sœurs, mais ça aurait pu être des frères, des sœurs de la Caraïbe. Mais non, ces gens-là n'ont pas de pudeur. Ils veulent mentir parce que ça les dérange de voir le lien, l'attraction que suscite mon discours à différents endroits dans le monde.
Eh bien, je dis à ces derniers, attaquez-moi sur les idées, mais cessez de mentir en déformant mon propos, parce que vous ne sortirez pas gagnant de ce combat. La calomnie, c'est aussi quand des membres de notre propre peuple, lorsqu'un groupe de militants, parmi ceux que vous voyez ici, ont décidé de se lever après ce meeting, il y a quasiment un an, jour pour jour, ou un peu plus d'un an, dans cette même salle, à cette même heure, nous avions dit quels sont ceux qui sont prêts à nous rejoindre pour mener une action symbolique, symbolique, contre le système néolibéral ici en place qui porte le nom de Becquet, mais j'ai envie de vous dire que même le terme Becquet est un détail, parce que c'est une branche d'un système suprémaciste beaucoup plus grand, qui est le néolibéralisme globalisé, nous devons le préciser, et qui va au-delà d'une problématique de couleur, nous devons aussi le préciser, et ceux qui me lisent depuis des années connaissent ce que je dis dans mes ouvrages. Lorsque ces gens se sont levés, que nous sommes partis mener l'action contre le sucre de manière symbolique, en dénonçant justement les raisons pour lesquelles une partie de notre peuple a été déportée, puis esclavagisée, les premiers qui nous ont attaqués n'étaient pas, contrairement à ce qu'on croit, les Becquets. C'est fou. Il faut qu'on se dise la vérité. On est là en train de stigmatiser les autres. Mais il y a un proverbe qui dit « Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. » Et il faut qu'on ait le courage de le dire ce soir. C'était la première fois de ma vie. J'ai aujourd'hui 38 ans. Et l'ancêtre qui me porte ou qui m'habite a peut-être 38 000 ans, je n'en sais rien. Mais c'était la première fois de mon existence que dans un pays afro, africain comme le dit, mais pas que, comme le dit le maître Germani, je subissais en masse, non pas les attaques du système colonial, mais les attaques d'une partie de mon peuple. Je dis bien une partie, parce qu'il y a toute une autre partie qui nous soutient. Et, je ne vais pas vous mentir, j'ai souri, parce que les ancêtres m'ont constitué comme étant imperméable aux attaques lâches et viles. Mais de l'autre côté, j'ai pensé à ceux qui restaient ici. À ceux qui ont décidé, suite à cette action, de dédier leur vie pour déconstruire ce système néolibéral et redonner le droit au prolétariat martiniquais de pouvoir accéder à la justice sociale. C'est à eux que j'ai pensé. Et je me suis dit que la prochaine fois que je viens, l'action symbolique ne sera pas uniquement contre le système Becquet, mais sera d'abord contre les ennemis à l'intérieur de nous-mêmes. Ces ennemis, je viens de les citer en premier lieu, les calomniateurs, les menteurs, les accusateurs de manière générale, qui au lieu de prôner la solidarité, ont décidé systématiquement de prôner la division. Lorsque j'étais en interview il y a quelques semaines, je crois que c'était au Burkina Faso, je disais que lorsque je me bats contre le système colonial, je me bats avec une main. Et il me disait pourquoi une main. Et je disais parce que ma deuxième main est occupée à tenir loin de moi mes frères et sœurs qui veulent me mettre des couteaux dans le dos. Vous comprenez cette image? Je pense que tout le monde ici comprend cette image. C'est une image que nous connaissons depuis plus de 5 siècles. Il faut le dire, et nous allons le répéter jusqu'à ce que vous soyez sourds s'il le faut. On ne peut pas demander à ce que l'ennemi puisse nous respecter si nous-mêmes, en notre propre sein, nous sommes en train de nous poignarder. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Un autre ennemi, mais qui est lié au premier ennemi nommé calomnie, se nomme la jalousie. La jalousie, quand un frère ou une sœur ouvre un commerce, la jalousie ennemie au sein de notre peuple fait que bon nombre d'entre nous vont dire « Pourquoi lui a un commerce et pas moi? Je préfère aller chez le Becquet qu'aller chez mon frère. » Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis ?
La jalousie fait que lorsque quelqu'un réussit à une lumière, parce que Dieu Tout-Puissant met en réalité de lumière chez tout le monde, mais celui qui ignore sa lumière va envier la lumière chez son voisin. Et au lieu d'entretenir sa lumière ou de la densifier, il va tout faire pour éteindre la lumière de son voisin. Cet ennemi, vous n'avez pas besoin d'aller chez les béquets, et je vais même casser un mythe ce soir. Arrêtons de dire systématiquement que l'esclavagisme blanc nous a appris le mal et qu'avant lui nous étions dans le plein, dans le bien, parce que c'est un mensonge. Lorsque des maris, des femmes, des enfants ont été arrachés à leur famille, certaines épouses ont été arrachées à leur mari, certains époux ont été arrachés à leurs femmes et à leurs enfants pour être emmenés en Martinique, pour être emmenés en Guyane, pour être emmenés à La Réunion, pour être emmenés à différents endroits. Lorsqu'ils ont été arrachés à leur famille, ils l'ont été d'abord à cause de conflits internes. Je sais qu'aujourd'hui, on veut réécrire l'histoire en disant que nous avons tous résisté et qu'ils sont venus, ils nous ont divisés. La division existait déjà avant. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et tant que cette problématique de la division, je ne suis pas un rêveur, je ne suis pas en train de dire que nous allons réussir à réunir tout le monde. Dieu lui-même, le Créateur, le Seigneur des mondes, a 50% d'opposants parmi sa création. 50% disent que Dieu n'existe pas alors que c'est grâce à Dieu qu'il respire, et le jour où Dieu ne veut plus qu'il respire, il s'éteigne. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis ? Donc si le Seigneur des mondes, le Créateur, que dans mon pays on appelle Mahou, qu'au Congo on appelle Maweja, que d'autres appellent Atum, que d'autres appellent Atona, que d'autres appellent Aman, peu importe, que d'autres appellent Dja. Si le Créateur lui-même ne fait pas l'unanimité, nous n'avons pas besoin d'attendre, comme le disait mon maître spirituel Tupac Amaru Shakur. Excusez-moi de ne pas donner un modèle religieux ou un modèle tel que le système l'emploie, mais chacun ses références. Et comme il le disait, n'attendez pas de faire l'unanimité pour contribuer au réveil de votre peuple. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. Mais nous devons régler les maux principaux qui sont en nous et dont le système néolibéral, quelque part, n'est que le reflet. Parce que le jour où nous corrigerons les trous en nous, l'ennemi extérieur ne pourra pas rentrer à l'intérieur. La jalousie, c'est quand aussi ma sœur Jay décide d'agir. Je vois des commentaires de certains et certaines qui vont me dire, mais elle là, on la voit poser en maillot de bain, on la voit faire la tête. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils voudraient que dans des pays où il fait 30 degrés à la plage, on soit en doudoune avec une écharpe peut-être, je ne sais pas. C'est un projet. On décide au moment où l'affiche du meeting sort de ressortir d'elle des photos en maillot de bain, comme si cela invalidait son combat. Et la plupart de ceux et celles qui ont sorti ces photos en maillot de bain sont peut-être ceux qui se sentent très mal à l'aise en maillot de bain. L'un de mes plus grands héros, je ne vais pas encore reciter Tupac, mais je vais citer son jumeau au Nigeria, son prédécesseur Fela Kuti. Et je passe les salutations à l'un de mes meilleurs amis qui est son fils cadet, Cheun Kuti. Était toujours torse nu. N'était pas forcément le plus poli des activistes politiques. Beaucoup critiquaient déjà sa méthode. Mais c'est sa méthode qui a fait qu'une grande partie de l'Afrique, dans la zone dite anglophone, a pris son courage à deux mains dans sa génération et a contesté le système capitaliste de manière générale. Et donc, l'habit ne fait pas le moine, l'afro ne fait pas le black pro,
Je tiens à le préciser aussi parce que oui, moi j'encourage évidemment le retour au naturel, mais nous ne nous arrêtons pas à la cosmétique pour juger des gens. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on continuera à se juger entre nous, le système qu'on appelle Béquet ici, que nous appelons France-Afrique, en Afrique francophone, n'aura pas à s'inquiéter, parce qu'il voit les nègres s'entretuer entre eux. Et c'est une réalité. J'ai découvert ces derniers temps des gens, mais en réalité je le savais depuis très longtemps, qui sont prêts à tout pour tuer l'étoile de celles et ceux qui ont décidé de prendre leurs responsabilités. Ils sont prêts à la tuer parce qu'eux n'ont pas cette étoile ou ne sont pas conscients de cette étoile qu'ils ont en eux plutôt. Je leur dis, plutôt que de haïr votre semblable, commencez à vous soigner. Nous sommes dans la terre, nous sommes sur la terre de Frantz Fanon. Il avait dit que le combat était aussi psychiatrique. Eh bien, quand je vois certains moyens pathétiques que certains frères et sœurs utilisent pour saigner dans le dos leurs propres frères par jalousie ou leurs propres sœurs, et ma mère, mes parents savent de quoi je parle, je me dis très sincèrement que le combat de psychiatrie décoloniale n'a pas été conclu, n'est pas terminé, mais reste plus que jamais à aborder. Je pourrais aussi parler, mais j'ai envie de dire, ça sous-tend les deux ennemis que je viens de citer, quand on parle du manque d'amour, c'est parce qu'il y a le manque d'amour de soi et le manque d'amour de son semblable que l'on en arrive à convoquer des ennemis tels que la jalousie, tels que la calomnie, tels que la trahison. Ça fait beaucoup hein, d'ennemis. Alors pourquoi on veut chercher l'ennemi loin alors que l'ennemi est parmi nous? L'appât du gain, un grand ennemi aussi. Un grand ennemi qui fait que quelqu'un est capable de vendre son frère pour de l'argent. Pour de l'argent. Capable de vendre sa sœur, de vendre son père, de vendre celui qui lui a donné de l'amour pour de l'argent. Je suis né en France. J'ai décidé de rentrer en Afrique il y a 10 ans. Ceux qui m'ont le plus persécuté sur cette terre, ceux qui m'ont le plus incarcéré, ceux qui m'ont le plus interdit de rentrer alors que je fais partie des figures politiques, parce que généralement les médias coloniaux ne le précisent pas, mais les plus populaires au sein de la jeunesse, faut le dire, ce ne sont pas des blancs, ce sont des noirs. Des gens qui ont choisi d'aimer la plantation plus que la plantation s'aime elle-même. Des gens qui, lorsqu'ils entendent l'hymne française, il postillonne tellement que vous croyez qu'il pleut. Des gens qui subissent pourtant le terrorisme dans leur pays au quotidien. Le terrorisme économique, le terrorisme politique, le terrorisme culturel. Mais lorsqu'il y a un ou deux ou trois morts en France, ils viennent, ils prennent leur jet privé. Ils emmènent une délégation à plus de 3 millions d'euros détournée des caisses pendant que leur peuple meurt de faim. Et ils viennent pleurer à chaudes larmes. Nous sommes avec vous, nous sommes Charlie. Tu es Charlie, mais tu n'es pas Frantz Fanon. Tu es Charlie, mais tu n'es pas Thomas Sankara. Tu es Charlie, mais tu n'es pas Winnie Mandela. Tu es Charlie, mais tu n'es pas Assata Shakur. Et parce que vous avez abandonné votre mission,
Notre génération a décidé de prendre ses responsabilités et d'accomplir ce que vous auriez dû accomplir, ce qu'une minorité comme Garcin et ses contemporains ont accompli. Ils étaient une minorité à nous transmettre le relais. Et nous allons faire à votre place ce que vous auriez dû faire. C'est pour ça que l'adage de notre ONG, c'est ce que les élites ne font pas pour le peuple fera lui-même. Je ne pourrais pas faire une liste d'ennemis. Ce n'était pas ce auquel vous vous attendez, de toute évidence. Vous attendiez. Mais je ne peux pas faire une liste d'ennemis sans parler quand même d'un ennemi qui, cette fois-ci, va au-delà de nous autres. Mais il fallait aborder ce sujet en préambule. Je l'ai cité tout à l'heure de manière rapide, mais il faut le développer. Quand on parle du néolibéralisme, c'est un concept extrêmement intéressant. Le néolibéralisme, généralement, les trois quarts du monde sont d'accord pour dire que aujourd'hui ça devient un problème sur le terrain économique. Je sais que Fukuyama parlait de la fin du monde, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire son ouvrage et de lire ses écrits. Quand il parlait de cette fin, il parlait de la fin quelque part du communisme. Et aujourd'hui nous nous approchons de la fin, quoi qu'on en dise, du néolibéralisme économique, parce que les peuples un peu partout dans le monde se réveillent. Notre peuple frère, le prolétariat français, les gilets jaunes, se réveillent. Le prolétariat africain, par le biais du combat que nous menons, le mouvement panafricain se réveille. Et quand je parle de mouvement panafricain, je vous englobe aussi. Parce que le panafricanisme n'est pas né en Afrique, mais il est né parmi vous dans la diaspora. Et il faut le rappeler. Mais s'il se réveille sur le terrain de la critique du néolibéralisme économique, il y a un néolibéralisme que nous n'avons pas vu venir, qui est rentré en notre sein sans qu'on ait pu être capable de l'analyser. Et ce néolibéralisme, il est temps ce soir aussi d'en parler. On parle du néolibéralisme sociétal. L'oligarchie capitaliste a compris depuis très longtemps, parce que l'oligarchie capitaliste ne se contente pas de voir comme nous. Ils sont dans une démarche de systématiquement prévoir. C'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche d'analyse prospective. Nous, on pense à ce qu'on va faire demain ou après-demain. Eux pensent à ce qu'ils vont faire dans les 30, 40, 50 prochaines années. Ils étudient le peuple. Ils étudient les sensations du peuple. Ils étudient les goûts du peuple. Ils étudient les petites divisions existantes ou latentes du peuple. Et ils exacerbent ces tensions. Parce que pour eux, tout est part de marché. Alors ils vont se dire, ah, eux, par exemple, ils ont des LOX. On va essayer de les mettre dans une catégorie précise et les pousser à consommer dans un secteur précis par rapport à ceux qui ont des LOX. Ils vont vous dire, ah, eux, ils sont un petit peu... D'ailleurs, le terme gros, je ne sais pas ce que ça veut dire. On peut être très maigre et être très... et un gros con. Donc gros ne veut rien dire. Mais des gens qui sont forts en corpulence, c'est un secteur. Ils vont se dire, eux, il faut qu'on les enferme, qu'on les ghettoise et qu'ils pensent d'abord à eux, à leur spécificité, plutôt que comprendre que leur spécificité rentre dans le cadre de la collectivité. C'est le néolibéralisme sociétal. On va parler des gays, parce que j'ai entendu certains charlots, certains idiots, dire qu'Emmy est homophobe. Moi, je suis un amoureux de l'étymologie. Homophobe, ça veut dire avoir peur de l'homme. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui me fait peur. Aucun. Aucun. Et quant aux gays, dont certains m'ont chargé, d'autres sont des sympathisants, mais certains m'ont chargé à distance parce qu'en face, ce serait très difficile pour eux. Ils m'ont attaqué en me disant que j'étais hostile à ces derniers. Pourquoi? Parce que j'ai dit que ce que vous faites dans votre maison ne me regarde pas. Moi, dans ma maison, je fais ce que je veux et ça ne vous regarde pas. Mais quand je viens sur cette tribune, bon, je l'ai dit, j'aime la femme noire, vous le savez. Mais à la limite, je n'étais pas obligé de vous le dire parce que ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas mes goûts. Ce qui compte, ce n'est pas mes passions. Ce qui compte, ce n'est pas mes pulsions.
Mais qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que le peuple puisse se lever, quelle que soit son orientation? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? James Baldwin était l'un des plus grands militants de la cause noire au XXe siècle. Est-ce vrai ou est-ce faux? James Baldwin était homosexuel, en quoi c'était un problème? Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il faisait à la maison, mais ce qu'il faisait pour le peuple noir dans sa globalité. Et donc il est temps de comprendre comment le néolibéralisme est en train de fonctionner sur le terrain sociétal, en essayant d'organiser les différentes factions et de monter les différentes factions les unes contre les autres. Ils essayent de sectoriser le peuple et de produire justement des besoins de consommation spécifiques. Alors la communauté gay va se dire qu'elle va acheter beaucoup de t-shirts avec le drapeau arc-en-ciel. La communauté de ceux qui aiment les femmes fortes vont être dans une démarche d'acheter aussi quelque chose qui va dans ce secteur, etc., etc. Mais dans tout ça, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est le mot acheter. Et parce que dans cette notion d'acheter, il y a l'accumulation des gains, il y a le profit. Et il y a une oligarchie qui se moque en réalité de nos goûts. Ce qui l'intéresse, c'est à partir de nos goûts qu'elle exacerbe, elle puisse diviser le peuple et pousser chacun à consommer plus que jamais. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Parce que c'est très important. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui à genoux. Parce que tout a été fait, ils ont compris que nous sommes un peuple. Moi je détestais quand j'étais jeune, je haïssais cette phrase de Senghor qui disait « la raison est hélène, l'émotion est nègre ». Je la haïssais. Je la déteste encore aujourd'hui. La raison n'est pas hélène. Après peut-être qu'il y a des hélènes parmi notre peuple brillante, ça c'est autre chose. Mais l'émotion par contre, l'émotion est malheureusement plus nègre que les autres. Nous sommes capables avec notre cœur d'être manipulés rapidement par des gens qui nous voient venir depuis longtemps et on les voit venir trop tardivement. Ils nous ont programmés. On vous parle de programme scolaire. Ça aussi, c'est du néolibéralisme. On vous programme comme un ordinateur, on met une disquette, un programme pour que l'ordinateur marche d'une certaine façon. Eh bien, on nous a programmé dans les Caraïbes, à La Réunion, en Afrique, au Brésil, aux quatre coins du monde où notre peuple se trouve, pour aimer tout le monde à l'exception de nous-mêmes. Et il faut qu'on fasse un travail dessus. Mohamed Ali, puisque chaque meeting pour moi est un match de boxe verbal, je prends ma serviette et je m'essuie. Tant que nous n'aurons pas compris comment ce système fonctionne sur le terrain économique, nous serons limités dans nos actions et dans nos mouvements et ils auront toujours 10 ans d'avance. Il faut qu'on soit clair dessus. Et c'est pour ça que face à cela, quand j'entends des gens qui devisent pendant des heures et des heures sur la méthode de tous les activistes ici, parce que ce n'est pas un hasard si ce sont ces derniers qui sont réunis, tous ont un point commun, tous. Quand je vois mon frère et ma sœur, mes frères et mes sœurs de Guyane, les 500 frères trop violence, la prochaine fois que je viens, je parlerai encore mieux. Il faut m'inviter bientôt. Ils sont diabolisés, on critique leur méthode. Mais dans le même temps, on les nomme personnalité politique de l'année. Donc il faut savoir en termes de schizophrénie qui doit se faire soigner. On critique des frères que j'ai découverts récemment, et des sœurs j'espère aussi, Moon Guadeloupe, pour leur méthode. Mais ils ont fait bouger, du peu que j'en sais, un certain nombre de lignes en peu de temps, je crois qu'ils ont 4 mois d'existence, mais ils font bouger un certain nombre de choses. Il faut le dire. On critique mes méthodes. Et dans le même temps, l'une des plus importantes chaînes d'Afrique, du continent africain, Africa News, me donne personnalité politique africaine de l'année 2017. On critique mes méthodes. Quand je brûle le billet de France CFA
avant la question du CFA, c'était 4, 5, 10 intellectuels qui parlaient à 10, 15 intellectuels dans un amphithéâtre vide. J'ai décidé de mettre ce sujet dans la rue, parce que quoi qu'on en dise, c'est la rue qui fait la politique et non pas les élites, contrairement à ce qu'on dit. Et quand, avec mon équipe, avec la sœur Dei Nogai Babelso, que je vous demande d'applaudir fortement, s'il vous plaît, avec le frère Eric Jumti, que je vous demande d'applaudir fortement, s'il vous plaît, et toutes celles et ceux que je ne peux pas citer, quand nous organisons des mobilisations à la sueur de notre front, au péril de nos vies, à tous les endroits du continent africain, en Afrique francophone et parfois au-delà, et aussi dans la diaspora, que nous allons en prison, que nous sommes séparés de nos familles, de nos enfants. Certains disent que nous n'avons pas la bonne méthode, mais c'est grâce à nous aujourd'hui que la question du franc CFA se trouve sur la scène internationale. Nous devons être capables de le dire. Je ne suis pas chrétien, mais je ne suis pas non plus un crétin. Et parce que je ne suis pas un crétin, je sais me servir de tous les exemples en guise de parabole. Lorsque Jésus arrive chez les pharisiens disent que c'est un voyou, que c'est un menteur, que c'est un manipulateur, que c'est un poète maudit. Jésus arrive avec ses méthodes à la Tupac avant l'heure. Ne voyez pas de blasphème, les chrétiens fondamentalistes, ne soyons pas crétins. Il vient et il casse les tables de la loi. Et il regarde les pharisiens. Et il dit, vous étiez censés être les gardiens du message originel, mais vous êtes les plus grandes forces de la corruption, les agents de l'argent, les adorateurs du faux d'or, les béquets de l'époque. Jésus a été crucifié, certes, sous Jules César, c'est vrai, mais il a été d'abord vendu par ses propres frères. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Et Jésus, j'ai plus envie de retenir le terme Christ, était considéré comme non conventionnel, sa méthode était jugée mauvaise. Il a été crucifié, à l'époque, l'homme le plus puissant du monde. C'était Jules César, dans leur monde en tout cas. Mais aujourd'hui, on dit qu'on est en 2020. 2020 après quoi? La naissance de Jules César ou la naissance du Christ? Pourtant, le Christ n'était qu'un simple ouvrier, un simple charpentier. Je pars de l'hypothèse qu'il a existé parce que je respecte toutes les croyances. Et l'intelligence nous pousse à utiliser tous les exemples. Jules César était millionnaire, milliardaire, mais aujourd'hui on parle du Christ. D'ailleurs, Jésus n'était pas le premier à avoir ce titre. Allez voir du côté d'Osiris, de Oisir, etc. Et vous comprendrez, de Hérou. Et vous comprendrez. Et vous comprendrez. Que le Christ dont vous parlez est la réplique d'un Christ originel, deux Christ originels qui de manière cyclique arrivent, qu'ils soient des femmes ou des hommes, et qui accomplissent leur destin pour le réveil de la population de manière générale. Il y a des personnes d'un certain âge ici, et mon but n'est pas de les épuiser, il est déjà tard, j'ai l'heure du Bénin, donc je ne sais même pas quelle heure il est ici. Mais il est important d'aborder encore quelques points, si vous le permettez. On me dit 5 minutes, 10 minutes maximum, c'est dommage. Mais on va essayer d'accélérer. Mais c'est vrai que comme je ne respecte pas les règles, il est possible que je fasse 20-30 minutes. C'est mon côté thug life. Il faut un peu de ça en politique aussi. Je vais le dire de manière encore plus synthétique que ce que j'ai énoncé au départ quand j'ai intitulé ce discours « Les pires ennemis de notre peuple ». Il faut qu'on comprenne que notre ennemi n'est pas l'autre. L'autre n'est fort que parce que nous-mêmes, nous nous poignardons. Le jour où notre peuple est capable de soigner ses propres plaies internes, l'ennemi n'est rien.
Lorsque j'étais enfant, mes parents que j'aime de toute mon âme, et qui sont des gens très courageux, mais qui ont vécu dans un système qui a conditionné notre peuple à penser qu'il ne fallait pas dire certaines choses, sinon vous allez mourir, sinon vous alliez disparaître, sinon, me disaient, si tu parles contre le système, contre les dirigeants, on va te tuer. Et aucun parent ne veut que son enfant meure. On nous a appris à vivre dans un précaré. Et si vous sortez de cette zone de confort, comme le disait ma très chère sœur, vous allez mourir. Mais moi, mon problème, c'est que depuis tout petit, quand on me disait « ça brûle », je voulais toucher. Et lorsqu'est arrivée l'heure de prendre ces décisions et de rentrer dans l'activisme politique à 17 ans, on m'a dit « ne fais pas ceci, tu risques de mourir ». Et j'ai dit « la mort ne peut pas être pire que ce que notre peuple vit aux quatre coins du monde ». J'ai 38 ans et je ne suis pas mort. On nous a mis en prison, nous autres militants, nous ne sommes pas morts. Nous sommes interdits de rentrer dans certains pays, bien que nous soyons plus populaires que les présidents de ces mêmes pays, mais nous ne sommes pas morts. Et je répète une chose dans la tradition africaine, pour conclure ce sujet, sur ce thème, la mort n'est qu'une étape, et avoir peur d'une étape, ce n'est pas avoir compris le sens de la vie. Je conclue en disant que quand on parle néolibéralisme, ces ramifications donnent la problématique de la chlordécone ici, donnent la problématique de la vie chère à d'autres endroits, ici aussi bien évidemment. Et il est important de souligner, de préciser, que quand on parle de vie chère, on rappelle que environ, ne serait-ce qu'en Martinique, 600 euros est présenté comme étant le seuil de pauvreté, alors qu'en France, on parle de environ, je dis bien environ, si c'est faux, j'accuse le maître Germani, qui m'a donné ces chiffres, il sait que je le dis avec amour, aux alentours de 1015 euros en France. Alors c'est intéressant, on parle de 40% de vie chère pour les fonctionnaires, tout le monde sait que la vie est chère ici, mais le seuil de pauvreté est plus bas ici que dans la France. Et il y a certains qui vont vous dire, mais nous sommes français. La chlordécone a-t-elle touché le peuple en France? Je vous pose une question. Est-ce qu'il a touché avec la même intensité le peuple de France que le peuple dans les Caraïbes? Je ne vous entends pas. D'accord. Mais pourquoi cette différence de traitement, puisque c'est la France ici, paraît-il? Ah, j'ai entendu une réponse magique. Il y a trop de nègres ici. Il y a trop de nègres ici. Et vous savez, j'étais dans l'avion, Eric va dire que je ressors la même phrase tout le temps, mais à chaque fois que je voyage ici, c'est la même chose. Il y avait tellement de gens qui étaient des Normands, des Bretons, et même peut-être des Norvégiens, que j'ai cru que l'avion avait été détourné et qu'on allait vers une autre destination. J'ai cru que les terroristes avaient pris l'avion et avaient changé de conducteur et nous emmenaient vers la Norvège ou vers une autre région. Et lorsque je suis arrivé, j'ai dit, mais il fait trop chaud pour être en Norvège. Mais pourquoi toutes ces personnes viennent? Et dans le même temps, on pousse la jeunesse à quitter ici en lui faisant croire qu'elle n'a pas d'avenir. Le génocide par substitution. Ils ont poussé la population à travailler pendant 4 siècles. Et maintenant que l'heure de rentabiliser arrive, ils vous disent il n'y a pas de richesse ici. Allez à Paris, allez au McDonald's, allez à Château d'Eau, allez à Rennes. C'est terminé tout ça. C'est ici que la libération doit se faire. C'est dans nos pays que la libération doit se faire. Je suis né en France. On m'a dit, qu'est-ce que tu vas aller foutre en Afrique? Il n'y a pas d'eau potable, il y a des coupures d'électricité tout le temps. Il y a des maladies, il y a des moustiques.
Les gens, ils ont peur des moustiques, mais pourtant, ils se mettent de l'huile sur le corps, ils font du musculation tout le temps. Bon. Ils mettent des masques quand ils y vont. Et j'ai dit, vous êtes prêts à tout pour vous intégrer dans une maison qui ne vous aime pas, mais vous avez peur de vous intégrer dans la maison de vos ancêtres, je ne comprends pas. Et donc, j'ai décidé de rentrer. Quand je suis rentré, certains ont dit, mais tu es fou ! Tu quittes un niveau de vie en France où tu as tout ce que tu veux et tu viens en Afrique où le salaire moyen est de 100 euros. Et j'ai dit, la richesse n'est pas une question de billets. Et cette question de billets, tôt ou tard, finira par disparaître parce que avant que l'élite apatride financière arrive, c'était pas le billet qui régnait sur le monde. Nous avions nos façons de fonctionner. Il y avait le troc, il y avait l'échange, il y avait les façons traditionnelles de faire. Et c'est pour ça que nous avons brûlé le billet de France CFA. Ce n'est pas que en contestation du franc CFA, c'est en contestation de ce système financier prédateur apatride qui veut nous agenouiller, qu'on soit blanc comme les gilets jaunes, que l'on soit noir comme nous tous ici ou une grande partie des nôtres, que l'on soit chinois, que l'on soit arabe, peu importe, libanais, syro-libanais comme mon frère. Nous ne sommes plus dans une question de couleur, nous sommes dans une question de douleur. Et tant que notre douleur ne partira pas, nous serons prêts à risquer nos vies pour que la situation change. Aou ! Mon dernier mot va à la réflexion, la chlordécone. Nous sommes tous conscients du problème. Tout comme nous sommes tous conscients, je pense ici, bon nombre d'entre vous, du franc CFA. Nous sommes tous conscients d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui doit venir l'heure des propositions. Une grande partie de la population dans les Caraïbes, partout où nous sommes invités, est malade. Et certains le réaliseront plus tard. Il n'y a pas des médecins parmi notre peuple. Il n'y a pas des chercheurs parmi notre peuple. Il n'y a pas des chercheurs dans le monde qui peuvent être capables de trouver des solutions pour enrayer rapidement cette maladie. Il suffit qu'il y ait une personne atteinte d'un virus en France et vous avez 30 millions d'amis médecins. 30 millions d'amis qui accourent. On va venir vous soigner. Mais quand chez nous, il y a des maladies par milliers, par millions, on dit bon, on va voir d'ici 20, 30 ans comment on va faire pour régler ça. Et vous voulez attendre, nous voulons attendre de ceux qui nous ont empoisonnés, qui trouvent des solutions pour nous guérir. Aou. Et autant mourir aujourd'hui. Aou. Aou. Nous devons trouver parmi les nôtres et parmi les alliés historiques de notre peuple. Je suis régulièrement à Cuba. Je suis régulièrement en Russie. Certains veulent faire croire qu'ils révèlent des secrets en disant que je suis proche de la Russie, de Cuba et autres. Mais ce n'est pas un secret. Je combats le système colonial et je m'allie à ceux qui ne sont pas forcément meilleurs que les autres, mais qui peuvent être des alliés ponctuels pour me débarrasser de cette plaie nommée le colonialisme français. Nous devons, et ce n'est pas mon rôle, parce que je ne ferai jamais à la place de la Martinique ce que le peuple vaillant martiniquais doit faire par lui-même, mais nous devons collectivement, où que nous soyons, lancer un appel pour que les chercheurs nous aident à trouver des solutions sur cette problématique de la chlordécone. Et ne cherchons pas parmi les chercheurs français, il peut y en avoir. Mais nous devons regarder le monde en dehors de la France. Le monde est multipolaire. Le monde, ce n'est pas que Paris, Fort-de-France, Paris, Pointe-à-Pitre, Paris, Cotonou, Paris, Dakar. Non, le monde est vaste et partout dans ce monde, notre peuple est présent. Focaliser sur nous-mêmes, tout en continuant les actions extraordinaires du collectif de jeunes que vous avez vu tout à l'heure, qui ont décidé de boycotter parce que le boycott doit commencer quelque part. On doit être capable d'exprimer dans une prison le sentiment de révolte, et c'est ce qu'ils font de manière passionnée, de manière radicale, de manière ferme. Ceux qui les critiquent sur la méthode doivent se rappeler qu'il n'y a aucune bonne méthode. Luther King était non violent, a été assassiné par le même système qui a assassiné Malcolm X le violent. Donc taisez-vous avec les histoires de méthode. Il n'y a pas de bonne méthode. Si quelqu'un me noie ou vous noie et que vous vous débattez avec violence, personne ne peut vous reprocher
en vous disant, mais pourquoi tu te débats avec violence? Débats-toi avec calme. Tu es en train de te noyer, tu bouges les bras. Mais arrête de bouger les bras, quand même. Noie-toi calmement. Non, on n'est pas tous d'accord avec ça. Et donc, nous sommes aujourd'hui 800, 900 ou 1000, comme prévu. Et comme à chacun de nos meetings. Parce qu'il y a aussi ceux qui sont dehors. Mais, samedi dernier, lorsque je suis allé avec mon équipe soutenir les militants, des jeunes qui dans les médias sont caricaturés comme étant des fumeurs de weed, des drogués, des alcooliques, des amoureux de sexe. Bon, on a le droit d'aimer le sexe, on ne va pas nous en vouloir non plus. Des voyous. Ceux qui sont caricaturés de cette façon étaient présents à 6h du matin. À 6h du matin. Pendant que d'autres ronflaient, ils étaient 40. Nous sommes ce soir environ 1000. Et nous avons tous vibré. Alors la question que je vous pose, lors de la prochaine mobilisation, pendant combien de temps va-t-on laisser ces jeunes et moins jeunes être 40, être 50, alors que nous sommes nombreux à avoir compris le problème? Ah où? C'est l'unité parmi les nôtres qui permettra de nous faire respecter par le reste de l'humanité. Ne demandons pas le respect de l'autre si nous ne sommes pas capables de nous respecter nous autres. Ne parlons pas de la négrophobie des autres quand nous sommes négrophobes entre nous. Il faut le dire. Nous devons nous focaliser, c'est ma dernière phrase, sur la production. Parce que si chlordécone il y a et que nous avons été atteints, si empoisonnement il y a eu, c'est que nous avons pris leur production plutôt que valoriser notre production. Et comme le disait tout à l'heure ma sœur, elle m'a piqué une phrase que je lui avais dit auparavant. Ceux qui vont vous dire, Kémy, on n'a pas besoin d'un béninois pour nous dire ça, je leur dirai que chacun fasse preuve d'humilité. Frantz Fanon était martiniquais, mais il a plus fait pour l'Afrique que la plupart des Africains ont fait pour eux-mêmes. Que tout le monde l'oublie, ne l'oublie pas, que personne ne l'oublie pas. Je termine mon propos en disant que cette réunion est historique. Historique parce que tout a été fait pour nous diviser. Tout a été fait pour qu'on puisse se haïr. Tout a été fait pour qu'on puisse se toiser. Mais aujourd'hui, leur schéma est terminé. Réunion, Guadeloupe, Martinique, Cameroun, Guyane, les meilleurs pour la fin. Tout le monde est là et il manque encore d'autres. La prochaine réunion, il y aura les Afro-Brésiliens. Il y aura les Afro-Cubains. Il y aura les Africains de toute la planète qui se réuniront parce que le panafricanisme est de retour et la résistance de notre peuple est éternelle. Nous vaincrons.